これもまた運命の導き。あなたたちの運命、私の審判を下します。リカ、小石の力を発動させます。半月流行魂の空気。はあ、宣告しましょう。みんな盛り上がろうぜ。Eh bien, salut YouTube, c'est Miyori, et aujourd'hui je te présente un gacha qui risque de se faire connaître grâce à l'équipe qui est derrière. Et je vais être honnête, c'est très prometteur et qualitatif au niveau de la production. C'est parti pour la présentation du titre. Higan Erutile est le prochain jeu des anciens de chez MiYoYo, plus exactement de la team de Honkai Impact. Il est classifié comme un gacha RPG 3D en temps réel, avec un look vintage dans un environnement technologique magique. Donc on retrouve bien évidemment ici la patte artistique de MiYoYo, c'est très flagrant, notamment au niveau des personnages qui ressemblent très fortement à ceux d'Honkai Impact. Il faut savoir qu'au niveau des graphismes, tout est géré en 3D, toutes les cinématiques de combat sont faites par le moteur du jeu, ce qui est un bon point car le jeu est assez joli. Et en ce qui concerne le type de gameplay, c'est un RPG 3D stratégique en temps réel qui se base avec des cartes. Rien de bien original à l'horizon, mais très efficace tout de même. Ce n'est pas un open world, c'est beaucoup plus linéaire. On reprend ici la structure d'un Honkai Impact par exemple. Comment est le gameplay concrètement dans ce jeu? Eh bien, basiquement, vu que c'est un RPG stratégique assez classique, tu as une grille au départ avant de commencer réellement le combat, auquel tu vas pouvoir placer jusqu'à 4 personnages au total librement sur la grille. Donc, on retrouve ici une gestion du positionnement qui sera déterminant à l'issue du combat. Chaque personnage dispose d'une classe spécifique, ainsi que d'un élément qui lui est propre. Du coup, tu t'imagines bien qu'il faudra placer ton tank dans la front lane pour pouvoir prendre l'aggro par exemple, et en backlane, tu mettras plutôt tes supports ainsi que tes DPS. Jusqu'ici, rien de bien compliqué, c'est très classique. Une fois que tu as terminé de placer tes personnages, le combat se lance. L'interface de combat est très simple et intuitive. Cela se joue avec des cartes, qui ont des effets divers et variés. Ces cartes consomment de l'énergie, le total utilisé est indiqué sur la carte. La barre d'énergie se recharge au fil du temps, jusqu'à un maximum de 10 points d'énergie. La principale mécanique sera la gestion de cette barre d'énergie. Tu devras bien gérer tes cartes en fonction de la situation, le but sera donc de ne pas gaspiller de points d'énergie. Ensuite, lorsque tu sélectionnes une carte, le temps se fige et tu peux choisir la direction de l'attaque. Tout à gauche de tes cartes, tu as des portraits en surbrillance. Lorsque le portrait d'un personnage brille, cela veut dire que son attaque ultime est disponible. Les attaques ultimes sont plutôt cool, je te montre un exemple. ひらめきが…うん…やっぱり失敗さ…始めましょう。半月流走アクア、この恐怖をどうぞ楽しんで。Cool, n'est-ce pas? Ce sont des animations rapides comme sur Genshin. Moi, je trouve ça cool. Certes, cela n'égale pas les animations d'Anniversoul par exemple, mais cela respecte l'identité de ce que font d'habitude MiYoYo. Du coup, j'aime plutôt bien dans l'ensemble. Mais comme je l'ai dit précédemment, la qualité d'Higan Erutile n'est pas son originalité, mais bel et bien la qualité de finition ainsi que sa direction artistique qui est propre à MiYoYo. Le jeu possède actuellement 21 personnages de différentes raretés, allant de 1 étoile jusqu'à 6 étoiles. Ces différents personnages possèdent une classe et un élément qui lui est propre. Je t'affiche tout de suite les classes qui seront disponibles. 6 classes seront disponibles à la sortie du jeu. Nous avons l'Adutrix, qui sera essentiellement le healer support. Il pourra buff ses alliés et debuff les ennemis. Il octroiera un bonus de heal pour tous les alliés de 15%. Ensuite, on a l'Hoplite, une classe de mêlée qui augmentera l'attaque physique de ses alliés de 5%, l'Assassin, qui sera la classe de burst par excellence et qui pourra infliger un bonus de dégâts de 40% additionnel envers un ennemi qui sera sous les 20% d'HP, le Ranger aka l'Archer, la classe qui excelle dans les dégâts à distance. Les dégâts sont augmentés de 10% si tu respectes la distance idéale entre toi et l'ennemi, mais si tu ne la respectes pas du tout, ton DPS sera réduit de 10%, donc attention. Le caster, aka le mage, cette classe est spécialisée dans les dégâts magiques. Lorsque tu déploies cette classe durant le combat, cela va augmenter la rapidité de la barre d'énergie de 5%. C'est excellent puisque toute la mécanique se base sur cette fameuse barre d'énergie
Et enfin, le Guardian, qui sera le main tank du jeu. Cette classe va pouvoir réduire tous les dégâts reçus des alliés de 5%. Ensuite, nous avons les éléments. Ils sont au nombre de 5. Nous avons le feu, le vent, la glace, la lumière et les ténèbres. On retrouve ici un système d'éléments très classique. C'est un peu comme sur Epic 7, c'est-à-dire que le feu bat le vent bat la glace bat le feu, et ainsi de suite. Pour ce qui est de la lumière et ténèbres, la lumière bat les ténèbres, ainsi que les ténèbres bat la lumière. Et si par exemple vous avez l'avantage sur un élément, cela vous donnera un bonus de dégâts de 30%, et à l'inverse, si l'élément est en votre désavantage, vous réduisez les dégâts de 30%. Simple, efficace, j'aime bien. Pour ce qui est du système économique lié au gacha, eh bien, tout ce que je sais, c'est que nous avons deux bannières. Une bannière avec des armes que l'on pourra équiper à nos personnages. Les rates seront de 2%. Et bien entendu, nous avons une autre bannière qui sera focus sur les personnages. Le rate up reste le même, c'est-à-dire 2%. Pour ce qui est de la question si le jeu dispose d'un système de pity ou non, eh bien, je n'ai pas encore la réponse. Actuellement, c'est encore flou. Mais j'imagine qu'il y en aura un. En général, MiHoYo met en place un système de pity dans leur jeu, donc je me fais pas de soucis. Pour ce qui est de l'animation de poule, eh bien, j'aime bien personnellement. On a donc un système de couleurs, bleu, violet et orange. Si tu as un orange, eh bien, cela te donnera un personnage 3 étoiles garanti. Je te laisse ici un petit aperçu. Maintenant, on va parler du système d'équipement qui te rappellera étrangement les stigmates d'Honkai Impact. Ce système d'équipement se compose de 3 cartes, ou stigmates si tu préfères à équiper, que tu mélangeras pour former un set d'équipement qui te donnera un bonus, ou des bonus. La première est le prologue, la seconde est l'interlude, et la troisième est le final. Ces stigmates possèdent des raretés, allant de 3 étoiles jusqu'à 5 étoiles. Et elles possèdent toutes des sets différents. Cela peut vous donner, par exemple, un bonus d'attaque de 15% ou alors un bonus de heal. Pour obtenir un bonus de 7, il te faudra avoir 2 pièces au minimum. Et cela peut aller jusqu'à 3 pièces pour former le set complet. J'aime bien cette petite référence à Honkai Impact, encore une fois. On sent que les devs ont aimé bosser sur ce jeu. Ce système de stigmates est simple à comprendre et permettra de personnaliser un peu plus vos personnages. Pour ce qui est des modes de jeu, je ne pourrai pas en parler plus pour le moment, j'en suis navré, car il me manque des informations. Cependant, je sais qu'il y aura un genre de mode roguelike où tu pourras farmer des stigmates tous les jours. Ce mode de jeu te demandera de choisir entre 3 bonus à chaque fois. Il te faudra donc bien les choisir afin de réussir cette épreuve. Tu auras différentes routes, une simple et 2 autres un peu plus difficiles, mais avec de meilleures récompenses. À toi de voir selon ce que tu préfères. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Concernant la date de sortie, et bien le jeu devrait, selon les sources de l'Apple Store, sortir le 9 février prochain si tout va bien. Personnellement, si tu veux savoir mon avis, je trouve que le jeu a l'air vraiment qualitatif au niveau de la production. C'est bien fini avec une belle 3D. Je pense que ce jeu mérite qu'on y jette un petit coup d'œil, surtout si vous êtes fan d'Honkai Impact. Vous allez y retrouver des références assez sympas. N'oublie pas de te préinscrire pour recevoir des cadeaux en jeu, et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un j'aime et un like pour le référencement. Et n'hésite surtout pas à suivre ma chaîne Twitch car je ferai des lives régulièrement concernant ce jeu. C'était MiHoYo, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.